Absalom d'Absalom, roman sur la déchirure de deux frères où la guerre de sécession est au cœur, comme si la grande histoire rejoignait aussi l'histoire intime d'une famille. C'est aussi l'impossible revanche sociale et la folie d'engendrement d'un blanc hanté par la question de la légitimité, qui est aussi la question de la légitimité américaine, impossible, après ces deux viols que sont la traite des Indiens et l'esclavage. Et qu'est-ce que l'Amérique nous apprend aussi de nous, de nos sociétés occidentales, dans cette machine à images qui broie l'humain? Et comment on est passé du grain de maïs au pop-corn, du Sud à Hollywood? Et qu'est-ce qui reste encore, qui est encore sur cette terre, et comment on continue à exploiter, en fait? Et quel objet théâtral peut raconter ces dramaturgies et ce fracas de temps qui est qu'on raconte à des plus jeunes une histoire, une obsession, et de quoi on les rend héritiers? Une jeunesse brisée, sacrifiée, broyée, qui essaye de recevoir ce récit de fantôme, finalement.